Salut les amis, c'est Skywalker78. On se retrouve aujourd'hui pour une course d'une heure sur la, avec la Dallara P217. Donc on va se mettre tout de suite sur la grille. Donc grosse course, hein, une heure de course. On a le dossard numéro 29, donc on est tranquille. On étreint les nouveaux gants. Et puis du coup, donc on étreint aussi une nouvelle livrée, la livrée Alpine. On va céder de notre fameux petit dashboard. Donc voilà, tiens, il y a une belle livrée là en face de nous, une livrée Rébellion, sympa. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, Magnificent, je connais pas. Avec un petit peu de Red Bull. Donc voilà, on va les laisser partir parce qu'il y a des très bons temps. Une 36 et le premier me met 10 secondes, hein, juste comme ça. Donc 1 heure de course, donc ça va être long. On va essayer de faire le moins d'erreurs possible. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas perdre non plus le micro durant la course. On va essayer de garder un peu tout en place. Et puis on va espérer que tout se passe bien. Donc là, on peut garder les pneus, on peut garder le plein, parce que de toute manière, il faudra qu'on refasse aussi ça. Allez, 15 secondes avant le départ. J'ai un peu peur pour cette histoire de micro, j'espère que ça va aller. Si vous entendez un gros boom, j'essaie de le pousser au max pour éviter qu'il... Et voilà, ça va partir. Donc voilà, on est un peu dans le peloton de tête, là j'ai l'impression quand même. On va peut-être les laisser partir un peu parce qu'on a du monde derrière quand même. Et qu'on sait qu'au premier virage, ça a tendance à se tendre un peu. Donc là c'est bien, on a le temps de faire chauffer les pneus. Alors j'ai fait un peu des essais avec ce setup. Donc cette VRS qui est plutôt soft. Bon, j'ai perdu un peu d'adhérence dans les virages. Notamment là, voilà, dans ce virage-là qu'on a passé, dans cette chicane qu'on a passé. On a du monde quand même derrière. Bon, on n'a pas grand monde de chez nous derrière, mais on va espérer qu'ils fassent pas trop de bêtises les deux. Ça, c'est de la multi-catégorie, donc du coup c'est avec des GT. Allez, c'est parti. Ça a l'air d'aller. On a bien distancé les autres derrière. Ça a l'air de bien partir. Pas trop d'erreurs. Bon, première chicane qui se passe plutôt bien. Ah, l'objectif, c'est vraiment pas de. Par contre, devant, il part vite, quoi. Ils ont peut-être moins d'essence que moi. Derrière, il revient comme une fusée. Moi, bon, j'ai pas lutté. Ça sert à rien de lutter. On a une heure de course, hein, donc pas mal de tours à faire. Même si on est dernier de notre catégorie, quelque part ça ne me dérange pas. Ils ont l'air d'avoir moins d'essence que moi. Par contre,
écoute, Toto, il faut quand même que tu avances. Voilà, on va les laisser passer. Le setup, à mon avis, a beaucoup moins de sens que moi. Donc je les laisse passer. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que les GT reviennent derrière. Donc il faudrait pas que je me fasse prendre des tours par les GT. Ça veut dire que vraiment, je suis très très lent. Mais encore une fois, une heure, il peut se passer n'importe quoi. L'objectif, c'est de finir pas trop mal. On a un numéro de dossard qui nous permet de finir à la place où on est actuellement, donc on s'en fiche un peu. Et on essaie de voir pour s'amuser. Une fois qu'on aura un peu plus cette plus en température, la voiture sera mieux. On pourra commencer un petit peu à attaquer. Pour le moment, on sécurise. Ça tombe pas mal dans le volant, une heure comme ça va être intense. Oulé, oulé, lélé. Vous voyez donc là, cette petite sortie de piste. Vous voyez, en fait, j'ai loupé mon freinage. J'ai bloqué les freins et tout de suite, l'arrière a voulu partir. Donc on se reconcentre. Ils sont pas très très loin les totos, donc on fait attention. C'est loin. Sur une 36, hein, elle est devant. Hein. Donc il faudra qu'il me laisse bien. Et le quatrième qui a priori a fait. Thank you.
chose de bien. Sa course. D'un côté, il était en bataille avec un autre, mais nous aussi, on est en bataille. Nous aussi, on a une petite bataille, mais surtout. Ah là vous voyez, j'ai été obligé de baisser un peu la... Je suis rentré un peu trop dans le village. J'ai été obligé de laisser échapper. Enfin, devant ça va être pareil. Il faut qu'ils arrivent à me laisser passer. Thank you.
abîmer les pneus là. Dépasser les retardataires, c'est du sport. J'ai failli partir en tête à queue. C'était sportif.
exploser les, à l'intérieur. Lui, je vais lui faire par contre une montre dans sa rétro. Bon, lui, il n'a pas été sport. Oui, bah, ça tombe, me laissait passer. Hein. Je fais ma course, tu fais la tienne. Hein. Quatrième.
à ravitailler derrière. Là, faut faire juste très attention parce que les pneus ont pris un peu cher. Allez, je fais encore un tour pour assurer le coup.
tout n'est pas joué. C'est passé, mais je vais me prendre un tour par le premier. La rébellion. Tendu. C'était très 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 tendu, très.
peu si on est régulier. Il reste 15 minutes, donc 10 tours. Tour, faut qu'on reste très calme. On gère. Il n'y a pas besoin, de s'exciter tout le monde. On restera P6. C'est bien P6 aussi.
n'importe quoi, moi. Ça va pas. Et 4x, c'est dommage. Je crois pas qu'on aille au-delà quand même. Il reste 9 minutes. Hein. C'est physique hein, quand même. Une heure de course, c'est physique. Hein. Elle est assez intéressante cette voiture quand même.
2 voire 3 tours. On va le faire.
Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous disais, et puis un petit pouce bleu, surtout, n'hésitez pas en bas, et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.